genre, on lance ce stream. En fait, je vais me balader pour farmer et je suis juste allé à la ville pour la quête et je ça a lancé automatiquement. Mon nom est Jin Sakai. Donc voilà. Un samouraï ? Dame Sanjo souhaite à vous voir. Elle supervise la crique d'Umugi. Je vous en prie. Attends, mais c'est un chapeau de paille et c'est pas un enculé ? Attendez. Par ici, monseigneur. Une logique. Une logique pas implacable. Attends. 3 secondes. Parfait. Hop. Voilà. Ouais, du coup, pas de façon, je me suis juste TP en fait. Bah, nice. Je me suis juste TP. Est-ce que je suis à me balader pour essayer de farmer du fer et de ça et améliorer les trucs. J'ai le bras tout engourdi. Ah, ok. Seigneur Sakai, voici Dame Sanjo. Bienvenue dans la crique d'Umugi. Je vois que les Mongols ont épargné ce lieu. Fort heureusement, il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années. Quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes. Sachez que votre sécurité est assurée tant que vous respectez cette règle. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je cherche un contrebandier du nom de Goro. Intéressant. Il se trouve en bas, à boire sa 3e bouteille de saké. Vous pouvez aller lui parler. Merci. Revenez me voir une prochaine fois. Je pense que nous pourrions nous entraider. Je sens qu'il y a du coup une quête. Genre comme celle de... Oh là 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 là. On va faire cette quête juste après, hein. Enfin, quête principale, il y a un peu le récit, hein. Je veux rien savoir. Pas alcoolique, monsieur. Vous devez être Goro. On doit tous être quelqu'un. Et vous, qui êtes-vous? Le seigneur Sakai. Bah, tous les samouraïs sont morts. Moi, je suis encore en vie. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Le seigneur Shimura souhaite que vous honoriez votre dette. Il est en vie? Et que veut-il? Il voudrait envoyer un message au shogun. Ce genre de course valait très cher, même avant le barrage des Mongols. Vous avez une dette envers mon maître. Elle sera effacée. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Ça, c'est un contre radis efficace. Merci beaucoup du follow. Chimbiline. Pour fêter votre bonne fortune. Je pleurais les samouraïs. Vous savez si j'écorche ton pseudo. En protégeant des hommes comme moi. Ils avaient juré de défendre tous les habitants de Tsushima. Attends, juste 30 secondes parce que la tenue me convient pas. Chapeau traître. Est-ce que je mûche? Non, vas-y, on va foutre un... Ça, si, j'aime bien. Même vous, Goro. Je ne suis pas sûr de pouvoir honorer leur sacrifice. Mon maître ne ferait pas appel à vous s'il ne vous faisait pas confiance. Je sais. Oui, du coup. Ok. Je te demande, du coup, tu veux quoi? Ici, c'est chez moi. Entrez. Ce ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage mongol. Vous avez le message du seigneur chinois? Il vous le remettra dans son camp, sur la côte à Akashima. Ah. D'accord, ça me va. J'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mitodake. Cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière. Ok. Parfait, merci. Allez, ouvre, Goro! On ne partira pas sans l'argent que tu nous dois! Ah! Attention, je vais m'occuper d'eux. Allez-vous-en.
Je vais vous laisser. C'est quoi que t'as envoyé, Soli? Rendez-vous à Akashima, Seigneur Sakai. Inutile de te cacher, gros. Je n'ai pas appelé de Ronin. Monseigneur, que voulez-vous à Goro? C'est privé. Nous reviendrons. Un peu chaud. Ok, d'accord. Je 30 secondes parce que je vois qu'il y a un truc. Ok, d'accord, c'était un bot. Hop. Pourquoi l'imbécile? Pourquoi j'ai encore la quête de l'imbécile? Du coup, c'est. Ouais, c'est ardent. Juste, on va récupérer ça et après un TP au cerveau. Il y a aussi map partout. Il y a des quêtes à savoir comment faire ici, c'est un enfer. Bon. Monseigneur, aidez-moi! Quelques heures de sommeil. Juste de quoi dire. C'est qui demande de l'aide? Je ne l'ai jamais dit à personne. Ah, toi! Ah, mais c'est la quête, non, la quête c'est mort. Juste on va. Ça me met l'ancienne quête secondaire que j'ai fait juste avant d'arrêter de live tout à l'heure. Enfin, des fois le jeu il me fait des bugs comme ça, genre d'HUD qui n'a aucun sens. Qu'est-ce que cela va être? Jim, par ici, vite! Ah, mais... C'est... Ok, d'accord. Bon, elle s'est tombée de ce qui s'est passé, hein. J'ai pas compris. Accélère, Kage! Je comprends pas grand chose du coup. Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que c'est... Ah, c'est profond, vas-y. Ah non, là c'est pas profond. 30 secondes. Deux fleurs, ça me suffit. J'ai trouvé Goro dans la crique à Umugi. Était-il ivre? Il ne l'est plus. Il honorera sa dette envers vous et se rendra sur la grande île. Goro manque de raffinement, mais nul ne connaît la mer mieux que lui. Ces hommes porteront votre message? Absolument. Kotaro et Jiro sont loyaux et courageux. Ils rejoindront le Shogun pour demander des renforts. Goro est paré. Il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau. Nous chevaucherons quand le moment sera venu. Pour le moment, prépare-toi au combat. Oui, mon oncle. Tiens, on va apprendre le... Dis-moi qu'on prend le fort. Allons-y, en selle. Nous sommes prêts, monseigneur. Ouvrez l'œil. Trouvons notre contrebandier. De toute évidence, tu veux me poser une question. Je t'écoute. Comment avez-vous rencontré Goro? Je l'ai surpris vendant de la soie chinoise interdite par le Shogun. J'ai brûlé sa marchandise et l'ai laissé partir. Vous auriez pu le faire fouetter, mais vous avez vu une autre voie. Un marin expérimenté peut s'avérer utile. Honnêtement, ça c'est la soie. Les Mongols ont de nombreux bateaux. Il aurait dit c'est l'opium, j'aurais fait ouais non. Que ferons-nous si nous attaquons, monseigneur? Ne crains pas la mort, Kotaro.
sois courageux. Et n'oublie jamais ceux pour qui tu te bats. Seigneur Shimura ! Goro, où se trouve ton bateau ? Par ici. Je suis heureux de vous revoir, monseigneur. Je te remercie d'honorer ta tête envers moi. Je vais faire de mon mieux. Mais j'ai bien peur que les Mongols me coulent avant que j'atteigne le large. Beaucoup trop de regards sont braqués sur ces eaux. Peut-être pouvons-nous détourner leur attention. Pied à terre. Nous allons marcher. J'ai peur que Goro nous mette un peu à l'envers. Mon père a pris cette forteresse au clan Yarikawa. Elle est aux mains des Mongols. Imagine donc leur surprise quand deux samouraïs la leur reprendront. Si nous faisons assez de bruit dans le fort... L'équipage mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau. Goro, nous allons attirer... Ah, let's go, reprend le fort. Lève l'ancre au son des combats. Monseigneur, vous serez tué. Occupe-toi de délivrer mon message. Parce que Goro, au final, c'est un bon gars. Trahir. Nous irons à pied, Seigneur Sakai. Alors, en tous les cas, on va passer par la porte d'entrée, donc... Parce que c'est mal vu de passer votre part entre part, donc... Les armées mongoles sont redoutables, mais notre attaque les prendra par surprise. Prions pour que ce soit le cas dans le fort. Ils sont plus nombreux, mais ils ne peuvent pas tous attaquer en même temps. Combien de temps aurons-nous l'avantage de la surprise ? Jusqu'à ce que nous voyions l'ennemi. Ensuite, nous frapperons. Mongol droit devant. Nous pouvons les éviter. Détourne-toi de l'ennemi et tu mourras un sabre planté dans le dos. Ah, il faut l'attaquer. Je comprends pas, qu'est-ce qu'on fout ? Pour Tsushima ! Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, non, parce que je lui suis encore assez souvent. Danger ! Nous avons l'avantage ! Sur le pont ! Êtes-vous prêt, mon oncle ? Tu es fort les plus forts ! Ok. Voilà d'autres par les portes. Ah ok, c'est pas... Ok, maintenant on peut y aller. Go. J'arrive pas à faire... Ok, ça. Posture est parfaite, Jin. Excellent. C'est carré. C'était les derniers. En avant, par la porte. Je suis fier de combattre à tes côtés, Jin. Vois comme l'ennemi te craint. Tu es un vrai guerrier. Merci, mon oncle. Reste sur tes gardes. Ouais. Les archers, à couvert. Seigneur Sakai, arrête-moi ! Semons le chaos dans le fort. Les navires mongols doivent se concentrer sur nous, pas sur Goro. C'est mon carré. Danger ! Fait. Coup magistral. Attends, c'est tes pieds. Sans
Les clébards. Hop, 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 hop. Ok, non, je crois que c'était du fer, j'étais en mode. Ouais, je voulais le faire, moi, par contre. Mais non. Avec moi. Oui, oui, bonjour, 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 bonjour. Ah, nous avons toute leur attention à présent. À l'assaut, maintenant. Ah, j'ai pas vu Claps. Vengeance. Hop. Parfait. Ah, Ils sont à Watcha, c'est notre nouvel objectif. Direction la tour, Jim. Qu'ils meurent tous. Ah vas-y, ils sont énormes. D'autres Mongols, décime-les. Ne t'arrête que pour tuer. Tu as bien retenu mes leçons. Je suis fier de combattre à tes côtés. Qu'il a pas PV hein, parce que là c'est galère hein, sinon. Oh là là. Ah, bah dommage. En avant. Les Mongols ne l'emporteront pas. Nous y sommes presque. Plus vite, Jin. Oh, ce que je te mets. Oh, ce que je vais lui mettre à lui. Bon, bon, bon. Dans le champ, tout le guild. Emparons-nous du Watcha. Voilà le bateau de Goro. Mais pas assez. Les Mongols les ont vus. Et leurs navires de guerre sont plus rapides. Bah, c'est le Watcha. Sans défense. Non. Ils nous ont nous. Et nous avons un Watcha. C'est le Watcha, C'est l'arme de l'ennemi, pas des samouraïs. Le plus important, c'est de sauver nos hommes. Sais-tu au moins t'en servir? J'apprendrai. Détruis les navires mongols. Honnêtement, je vais avec lui. Hein. Je me charge des gardes. J'avoue que là, bon, oncle, c'est la fin, je suis moyen. Nous ne mourrons pas ici, mon garçon. Oh, du coup, ça m'a peu cher parce que c'est un typiquement qui me fait chier les jeux. D'abordage. Leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro. Alors. Ah. Les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini. Goro doit les distancer.
ça se fait. Ah, ok, j'ai vraiment pas fait gaffe. Les Mongols envoient des troupes de leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro. Fantastique, les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini, Goro doit les distancer. Bon, voilà. D'autres bateaux arrivent. Tenez bon, Goro. Ça ? Vous avez réussi, Goro. Allez, guerrier du Shogun. Let's go. Je vais jouer à d'autres. Vas-y, à plus. Nous avons réussi. Je n'en doutais pas. Tu as encore prouvé que les Mongols n'étaient pas invincibles. Vous m'avez entraîné. Je ne pouvais vous décevoir. Tu ne m'as jamais déçu. Je suis fier du guerrier. Allez, à mourir. Que tu es devenu. Il y a une flèche, 100%. Jin, mon message au Shogun incluait une annonce importante. Je souhaite que tu deviennes mon fils légitime. Mon oncle. Waouh, trop stylé. Au fond de moi, je t'ai toujours considéré comme mon héritier. Bah, sinon, tu n'as pas d'enfant, donc, je veux dire. Quand cette guerre sera finie, nous l'officialiserons. Un jour, notre peuple te considérera comme son chef. Tu deviendras leur vénérable Jito, appuyé par les pleins pouvoirs du Shogun. J'espère le servir aussi bien que vous l'aurez fait. Ne meurs pas, hein. Cela ne fait aucun doute. Là, j'ai peur qu'il se prenne une flèche, tu sais, genre par derrière. Nous devons terminer les préparatifs en attendant les renforts du Shogun. Quels sont vos ordres ? Va chercher l'armure de ton père et fais en sorte que les habitants de Yarikawa rejoignent nos rangs. Nous verrons si ton ami est digne de confiance. J'irai rejoindre Yuna et récupérer mon armure au village d'Omi. Quand tu seras prêt, rejoins-moi au camp d'étape de Kubara. Ensuite, nous reprendrons mon château à Kotun-kan. Et nous sauverons l'île. En tant que père et fils, le Shogun en personne célébrera notre victoire. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Stylé. Énorme. Bon, ouais, j'ai l'armure que je voulais, qu'on m'a dit que je la kifferais énormément. Il y a une armure, on m'a dit, tu la surkifferas. J'attends que ça. Et du coup maintenant de nouveau bien Kage. Ah voilà. Là je prends là, ça prend mon temps là. Faveur et un trappeur. Mais du coup, il y a 40 000 quêtes. Waouh!
Recruter à celle-ci. On se TP là, on va récupérer nos faveurs. Et après on va faire la quête. Seigneur Sakai, merci encore, vraiment. Ah oui, bah oui. Salut. Ah, je le seum. Tout ça pour ça, ça me souffle. Ah, j'espère que c'est des provisions ou un truc comme ça. Bon, après, d'un côté, c'est toutes les cosmétiques que j'ai dit qu'il fallait que je récupère, donc. Donc voilà. Quelqu'un a vu Kuma ? Kuma ! Où es-tu ? Non, après. Monseigneur, aidez-moi ! Sorry, Maros ! J'ai une armure à aller chercher d'abord. Après, j'irai le faire avec la nouvelle armure. Kenji, que fais-tu ici ? Ouais, bonjour Kenji, c'est pas non plus que je cherche. Donc c'est pas mon sens où je vais, c'est là-bas. Mettez-moi de bien aiguiser votre katana. Venez voir ce que j'ai à vous offrir. Non, en soi, t'as que ça à vous offrir, toi. C'est un honneur de vous servir. C'est un excellent choix. Ça c'est bon, désolé, non, juste ça une dernière fois. Ce n'est pas suffisant. J'ai hâte d'avoir pensé toutes vos victoires à venir. Monseigneur, oh, je vous en prie, j'ai un message pour vous. Qu'y a-t-il ? Un démon va me tuer si je ne vous raconte pas son histoire. Coucou, quoi ? Arrêtez ces bêtises. Les démons ne sont que des légendes. Pas celui-ci. Son nom est Kojiro, et il est immortel. Il y a des années de cela, Kojiro était un chapeau de paille. Il était tellement cruel et redoutable que même ses frères finirent par se retourner contre lui. Du crépuscule à l'aube, des dizaines de chapeaux de paille attaquèrent Kojiro. Il les tua tous. Ceux qui survécurent ce jour-là bannirent Kojiro de leur rang. Mais jamais plus ils ne le défièrent. Les esprits de la mort furent si surpris par Kojiro qu'ils bénirent son armure et lui firent cadeau d'un bras infatigable. Plus qu'un simple homme, il est devenu un guerrier de légende. Lorsque les chapeaux de paille ont trahi notre peuple en s'alliant aux Mongols, ils ont repris Kojiro dans leur rang comme un frère. 5 assassins des chapeaux de paille se sont unis à Kojiro et ont fait le serment de vous tuer. Du coup, c'est les duels. Kojiro veut me faire comprendre qu'il me traque. Je serai sur mes gardes. C'est inutile, monseigneur. Kojiro vous fera l'honneur de vous affronter en duel. Mais pour obtenir ce privilège, vous devrez d'abord vaincre les 5 chapeaux de paille qui se sont alliés à lui. Je crois avoir accepté de relever ce défi sans même m'en apercevoir. Dans ce cas, vous savez qu'ils vous attendent à divers endroits de l'île et qu'ils se serviront d'innocents pour vous abattre. Je les vaincrai, et je veillerai à ce que Kojiro meure après trop d'années de sursis. Soyez prudent surtout. Je ne l'ai encore jamais rencontré. J'avais dit que les trucs où c'est trop loin, ça me saoule. Mais en vrai, on va y aller. Là, on va y aller. J'ai envie d'avoir la tenue. Bon voilà, celui-ci. Merci. Allez, go. C'est parti pour... Ah, vas-y.
Pensez vous faire une énorme balade du coup. Hey, let's go. Ouais, j'ai pas le temps pour vous. J'ai 5 samouraïs. 5 chevaux de paille à tuer. Non, vous m'intéressez pas, vous. Vous m'intéressez pas. Bah, je fuis en plus. Ça vous convient pas vraiment. Je vais déverrouiller plein de points d'interrogation peut-être. Je les ferai plus tard, hein. Le jeu, je trace juste. Je ferai les points d'interrogation plus tard. Attends, sur le chemin, je peux aller taper ça. Donc on va faire ça pour voir que ça coûte aussi. C'est le truc que je vais faire sur le chemin du coup. Tant qu'à faire. Tiens, du coup on est en train de débloquer toutes les préfectures, ça me saoule. Ah, ça me saoule. Bonjour petit renard. Bah, là j'ai plus qu'un. Allons-y, Kage. Non. On n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. J'ai des mecs à affronter. Ouais, je suis un connard, ouais, je sais. Ah, il est rentré.
fait ici. Bon, je pense derrière le caillou là. Oh, t'ouvres ma gueule. Ah, c'est en bas. Oh. Ah, c'est cool, est-ce que comment on va pour le combat? Ah, ouais, d'accord, bon, c'est de l'autre côté. Ça semble. Ok, j'ai peut-être trouvé Non, on disait qu'il préférait les fleurs que le rouge. Parce que les fleurs, je crois qu'ils sont roses. Elles sont blanches, hein, elles. On va prendre le petit pont. Comme ça. Non, 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 je suis pas là pour vous. Là, je suis juste pour la traque. Ouais, non, ça. C'est vraiment juste. Hop hop hop. Je vois, j'aurais préféré un truc comme ça, genre un truc en rappel. Ouais. Non, non. Oh, il y a des choses qui font vraiment plaisir que j'entends. Tu sais ce qui me fait plaisir aussi? C'est quand en deux games je t'ai rattrapé. Bah, regarde ce que je t'ai envoyé. T'as pas vu le message que je t'ai envoyé? Bah, en termes de points. Mec, genre il me manque 10 points là pour passer bronze 3. Seigneur Sakai, merci de... T'inquiète, on joue ce soir, il y a Soli. Là, je stream jusqu'à 20h30. C'est au chini ce que je suis en train de faire et après je. Parfait, merci beaucoup. Let's go, burger. Ça régale. Ah, du coup, j'ai un peu de porte coca. Mais non, ne t'inquiète pas. Si tu comprends que moi aussi. Il faut que je règle ton problème. Tout simplement. Allez, maintenant on remonte. C'est une quête. C'est une quête. Des Ronins qui massacrent ces gens. Ah, okay, bon, c'est une quête. Je peux voir. Je peux y aller. C'est chiant. Du coup,
On reprend celle-ci de quête. Ok, c'est bon, j'ai. Putain, par quel chemin du coup je vais passer? Mais c'est bon, j'ai à gauche là. Il va bientôt avoir un chemin. J'ai passé? Non. Comme ça on s'occupe de ça. On a la clé de Kosaku, comme ça on cherche aussi la tenue. Ça rend la balade, hein. Pourquoi le titre du stream il est bon? Bah je pensais me faire la quête principale, mais au final... début quête principale et après... C'est pas grave, c'est pas grave. Je dois pas rester, je dois pas déconcentrer. Ouah, c'est beau. À gauche. On descend, on descend, on descend, et on descend. Il y a donc un mec à libérer déjà là. Le plan est tellement cool qu'en vrai j'aime trop les dessins comme ça. Ah ouais, t'es là? Aide? Non. Hop. Qui est pas foncier? J'ai besoin d'aide. Parfait. Bougez pas. J'ai cru que j'allais mourir ici. Partez. Et prudence.
Nice. J'ai mon collance. Fantôme. Bombe au pouvoir, bombe collante. Vas-y, je vais essayer. C'est bon. Oui, Arvo. Ouais. Les coups sont tellement si c'est gay, pire. Quoi? Vas-y, bon. Quoi? Il est en partie? Ah, il a vraiment peur. Oh non, je suis très déçu. C'est fini, tout ira bien. C'est terminé. Coup de déception. Merci, Seigneur Sakai. Faites attention à vous. Les samouraïs sont morts. Oh. Les bambous. Chiharu. Salut mon bro. Mais ils sont où? Ça doit être là-bas? Non, là-bas c'est où je viens. Juste vers là? Ah, c'est bon, alors. Arvo! Pour récupérer la ville comme ça. On pensait avoir perdu notre ferme, Seigneur Sakai. Les Mongols ont-ils volé la clé de l'armure de Gosaku? Non. Prenez-la. Si d'autres Mongols viennent, ils n'auront plus rien à nous voler. C'est la dernière clé. D'après le musicien, l'armure est au sommet d'une colline à Akashima. Ouais, comme ça je peux. Attends. Ça part encore capté. Tu sais que je pense que je suis à 7-8. En tout cas, Glenn, en soi. Pas mal, hein. Ouais, 17. 17. Faudrait que je sois à 8. 8, je suis la moitié, en soi. Ouais, tous les points... C'est quelque chose. Bah attends, on va faire celui-là après ça, je te vois. Le seigneur Shimura est libre, mais sans armée, quelles sont ses chances de l'emporter? Tu es un bon cheval. Et du coup. Ah,
Wouah, c'est ici. Ah ouais, heureusement. Faut aller loin pour un si peu. Je regrette. Je n'en sais rien. Je veux des informations, pas des excuses. Les fermiers savent. Peut-être. Oh la vieux, ok, casse les couilles. Oh le pauvre. Ah, t'inquiète mon ref, on est ensemble. Ah bah du coup je sais ce que c'est un temple. Ah le temple il prend du temps. Ah peut-être pas tant de temps que ça au final. Ah c'est une quête. Oh c'est une quête, oh bon alors non. Enfin je te tiens. Ouais la baston sur une falaise là ça va être sympa aussi. Oh, oh j'ai une voir un truc. Un sur la plage. Un truc sur la plage. Non, c'est un peu sur une falaise. Waouh. Là c'est beau. Ah bah c'est sur la plage. Bah en face faut qu'on y récupère en plus la truc. Chiant mais à faire. Du coup on va la faire. Salut mon ref en fait. Comment ça, c'est maintenant que tu me vois pas passer. Tu m'as pas vu. Je vais chercher vite fait là. La bannière. Hop, c'est à moi. Mon clou est pas haute, on en profite. Let's go. C'est un grand honneur de vous rencontrer, monseigneur. Préparez-vous au combat. Je vous attends. Pouah. On n'est pas obligé de se battre. J'ai promis de vous affronter. Je ne suis qu'un ronin, mais je n'ai qu'une parole. Comme vous voudrez. Tu vois ça? Sûr. Rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Merci, mon seigneur. Parfait. Carré. J'ai un peu plus de résistance que l'autre quand même. Totalement, lui il me fait chier. Parce que lui il était. J'espère que l'honneur viendra à vous dans une autre vie. En soi, l'honneur il avait. Hein. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. Hein. Et il a lui à chercher. Et comme ça, après, on pourra acheter deux tenues. Ça sera carré. Ah,
Ok, ouais, si en fait il ça marche pas. T'as le cheval, mais ouais, ça sert à rien. C'est pas ici. C'est parfait. Attends. Accélère, Kage. C'est bien. C'est bien. Tout va bien. C'est par ici. C'est par ici. Là, on fait ça et là, on monte. Parfait. Tu vois, tu vas sous les feuilles d'automne. Je pense que ça va être beau. C'est le bel biome que j'avais vu au loin. Hein. Non, je peux vite fort d'ailleurs, je vais me dire. Je sais pas si c'est caractérisé comme un phare. Ah bah si, c'est un phare, c'est juste que bah, la texture complète n'a pas changé. Non, s'il te plaît. Ne me faites pas chier, s'il te plaît. Je passe pas droit pour monter dans le phare, parce que je pense que l'intérieur il doit être pété. Ah, c'est clair que c'est beau, hein. On se balade, hein, on se régale. Hein. Wow. C'est juste là, hein. Ouais. Yeah. Le grand problème, c'est que j'ai pas savoir où il va être l'autre, hein, le dernier. Enfin, je dois dire que je commençais à m'impatienter. Il a un casse-couille, lui, je crois. Quelle folie. Vous n'êtes pas un guerrier, mais un chien enragé. Exactement la réaction que j'espérais. Approchez, j'attends ce moment depuis longtemps. Bah, crois-moi, je vais te faire comprendre, moi. Ah, lui, il mérite, lui, il mérite 30 tarifs, lui. Vous seriez tous encore en vie si vous étiez arrivés plus tôt. Je suis là maintenant.
Est-ce que tu veux que je te mette un truc à un panier à chauffer? Je veux bien. Merci. Ok. Pouah. L'enchaînement de fin, il était fatal. Très bien, on n'en parle plus. Jamais. C'est plié. Je dois affronter l'homme qui a envoyé ses renins se mesurer à moi. Ah, pardon, mais il est là. Musicien d'Umugi sait peut-être où se trouve Kojiro. Voilà. Non, même ça, ça c'est nul. C'est... Alors, désolé Marès, pas encore toi. Monseigneur, auriez-vous quelque chose à nous offrir ? Seigneur Sakai, les dieux soient loués ! Les chapeaux de paille que Kojiro voulait que j'affronte sont morts. Il le sait déjà, monseigneur. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un homme normal. Vous l'avez revu ? Oui, il est revenu. Il m'a dit que vous étiez digne de mourir de sa propre main. Il vous attend dans une grotte au monastère d'Omi. Ouah ! Victoire de mon clan. Il regrettera son insulte. Renoncez à l'affronter, monseigneur. Avec son armure démoniaque, c'est un guerrier infatigable. C'est ce que nous verrons. Je prierai. C'est ici du coup, Omi ? Attends. Pour votre victoire. La mise à jour, ok, c'est là. Bon, ouais, ça va. Ouais, par contre, attends, me dis pas que ça me t'est pas en bas. Hein. Attends, je m'en doute. En bas. Fais chier. Bien joué, par contre, de prendre. Ah, du coup, collection. Activité. Les 5 duels. On va voir si c'était un tocard ou pas. Qui massacre ces gens. Allons vérifier. Je vais te mettre une pièce. Ouais, pour l'instant je peux pas. Je le rejeter après. Ne t'inquiète pas. Je le ferai plus tard. Oh, il est au monastère. Non, il est pas au monastère. Ah, il est loin. Seigneur Sakai. Allons-y, Kage. Je ne peux rien pour vous. Rendez-vous plutôt à la porte qui donne sur la route du village d'Omi. Mais bad. Ah non, du coup. Attends, on peut pas. J'ai pas être avec mon chou de l'intérieur. C'est un scandale. Adressez-vous au moine à l'autre porte. Elle se trouve après la statue de Bouddha. Vous faites erreur. Je ne pense pas que ce soit Kajiwara. Alors tu es plus bête que je le pensais. Jin, j'aimerais te parler. Mais plus tard. Plus tard, j'ai tout à faire d'abord. On a tous des problèmes, ma chère.
Ah non, ah bah je suis seul dans le problème. Ah ça va. C'est pas bon endroit que je suis allé. Accélère, Kage. C'est vraiment à l'entrée? Ah, tu me filmes que moi. Oh, vas-y, c'est vraiment en bas. Oh, il se moque de moi, il me saoule. Ah, je vais mourir. Ah, ouais, c'était sûr. Ah, oh, vas-y, ça fait chier. Ah, il me saoule, vas-y. Ah non, on n'a pas. C'est trop simple ça aussi. Excuse-moi mon ref. J'avais pas compris que c'était ici. Oh là là. Seigneur Sakai. Enfin. Le musicien m'a dit que votre armure était démoniaque, Kojiro. Et l'avez-vous cru? Vous auriez dû rester une simple légende. Oh, elle est sympa quand même. Oh, sympa le plan. Des hommes par milliers. Je me suis délecté de chaque mort. Musicien, c'est vrai. Vous êtes un démon. Quoi? Ok. Quoi? 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 Quelle ça... déception alors. Ça voulait pas? Eh bah, je le mérite, vas-y. Mais il y a un moment où vraiment je suis en mode. Non. Ouais, ça va pas. Oh, vas-y, frère. Quoi? Quoi? Non, vas-y, c'est bon, frère. Bon. Bon, va falloir faire quelque chose pour le combat. Quelle déception. Si je suis à un chaque fois de truc, ça va pas prendre me heal. Mais wesh. Bon vas-y frère, pourquoi faut que je les esquive hein. Allez tue-moi, tue-moi. Voilà des années que je n'avais pas pris autant de plaisir à tuer. Allez tue-moi.
Ok, les blancs on esquive aussi. Social. Quoi? Ah vas-y, mais honnêtement, voilà des années que je n'avais pas pris autant de plaisir à tuer. Là ça m'énervait. Là seulement j'ai vu qu'on s'est énervé. Ah oh, bah si frère. Ah non, frère, ah je ne comprends. J'ai tué des hommes parmi vous. Je me suis délecté de chaque. Le musicien disait vrai. Vous êtes un démon. Serez-vous celui qui réussira enfin à me tuer? C'est là votre souhait? Quoi? Non. Vous n'êtes ni un démon. Et un fantôme, rien qu'un homme. Putain, vas-y, ça me saoule. Mais comment ça? Des hommes par milliers. Je me suis délecté de chaque mort. Le musicien disait vrai. Vous êtes un démon. Celui qui réussira enfin à me tuer. C'est là votre souhait? Let's go. Oh, ça a été dur, ça a été si dur. Est-ce que ça se tue? Bon, alors le bandeau, je t'avoue, je n'ai un peu rien à faire. Alors, est-ce qu'on peut le virer? Ah bah oui, si, c'est quelque chose quand même, hein. Au level, c'est quelque chose, j'avoue. Attends. Ah mais c'est que sur les armes fantômes. Mais j'en ai rien à foutre du coup. Comparé à Zorno.
Ouais, mais c'est beaucoup mieux ça du coup. Ah, du coup, je n'ai rien à foutre. Hop, allez hop, on met le truc de traître. Oh non, j'ai trop le seum. Bon, bah ça du coup. Oh non, moi j'ai vraiment le seum. La tenue elle est cool, mais du coup, ça dit des trucs que j'en ai rien à foutre. Les bonus, j'en ai vraiment rien à se taser. Genre, bad, c'était vraiment. Ça en finit vite, c'est vrai que je peux aller manger ce que je pense qu'on va en faire. Ah bah oui, du coup oui, d'accord. Venez vous battre. Je... Ok, je pense que j'ai la bonne. L'autre. Je suis à travers. Ouais, je suis à travers. Allez hop, ça rigole. Allons récupérer cette armure. Ah, je suis vraiment déçu. Genre, j'ai forcé pour cette armure et. C'est verrouillé. Je devrais essayer de l'éviter. Pour ça là. Vas-y, ça me semble. Au sommet. Je le voyais vraiment pas. Hop. 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 L'armure. L'armure de Gosaku. Les Mongols subiront sa puissance de plein fouet. Comment cette armure? Solide. Et étonnamment légère. Ok. C'est une armure traditionnelle, juste... Ok.
Et du coup, je me dis que c'est l'armure qui est très résistante. Ok, c'est un bandeau. Ok. Pas d'infos. Dorna, je préfère, hélas. Donc, après, si on prend ça, on peut mettre une tenue juste pour le style. Parfait. Bon. Pouah. Trois trucs. Ça régale. Je les utilise et après du coup je pense que je vais vous laisser. Je stream après du coup pour du Valo. Et voilà. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure pour ceux qui veulent. Pour du Valo. A plus.